Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal pour ce samedi 23 septembre 2017. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé le 12 septembre l'opération baptisée Livre pour tous dans les lycées. Le département du Sud est la quatrième région touchée par cette initiative. Sous l'initiative de l'organisation politique Force Opposition CID, les membres de l'opposition ont manifesté ce lundi 18 septembre dans les rues de la ville des Cailles. Les protestataires munis de gousses d'arbres ont lancé des propos hostiles contre le président de la République et son administration. La grève lancée lundi dernier par des syndicats de chauffeurs et appuyée par l'opposition pour exprimer leur désaccord à la publication de la loi de finances 2017-2018 est largement respectée dans la ville de Cailles et plusieurs autres villes de province. Lors d'une interview accordée aux journalistes, l'ex-candidat malheureux aux dernières élections municipales, Robert-Pierre Richard, a fait savoir que les dirigeants de ces manifestations ont reçu de l'argent pour déstabiliser le gouvernement Moïse Lafontaine. Le pasteur Louis Hérius Saint-Germain, réagissant sur la publication de la loi de finances 2017-2018, demande à la population d'accorder un délai de 3 mois d'observation au gouvernement avant tout mouvement de protestation. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs. Restez branchés. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Whitland Rosilmé au micro avec la collaboration de Hans Jean-Louis. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé le 12 septembre l'opération baptisée Livre pour tous dans les lycées. Le département du Sud est la quatrième région touchée par cette initiative. Le numéro 1 du MENFP, Pierre Agénor Cadet, a rencontré ce mercredi les directeurs des lycées du Sud à la direction sud du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont été venus récupérer leur ouvrage dans le cadre de l'avancement du programme. Suivez les déclarations du titulaire du MUNFP, Pierre Agénor Cadet. Nous, dans la troisième ville pays, dans la métropole sud, dans la ville de Cailles, c'est surtout dans le cadre d'un programme que nous lançons, le programme n'importe non, et bien livre pour tous et pour toutes. Donc c'est moi qui portais ça. Donc c'est moi du livre pour toutes et pour tous. Et dans le cadre du programme, ça, nous avons pour faire tous les 10 départements du pays. Nous avons déjà fait 2 déjà, après l'Ouest, ça fait 4e département nous là-dedans. Dans l'Ouest, nous avons équipé 46 lycées en ouvrage. Et dans NIP, avec le Sud-Est, nous avons équipé tous les lycées en ouvrage de lecture pour les élèves. Et en même temps, nous avons mis des livres et autres académiques avec scientifiques pour l'université publique en région. Donc c'est dans le même cadre ça nous venons là, dans ce pays. Cependant, il y a un autre objectif qui est entré dans le cadre de la visite ça, et qui n'est pas programmé, c'est que nous rencontrons pile de monde et agents éducatifs qui font passer les revendications et nous font chiter attendre avec tout pour nous résoudre le problème. Et nous joignons satisfaction dans la rencontre nous faisons avec eux. De son côté, le directeur sud du MUNFP, Jean-Miller Dorval, salue l'arrivée de ce programme dans le sud. Selon lui, cette opération va permettre une amélioration de la qualité de l'éducation dans le sud. Suivez la déclaration de Jean-Miller Dorval au micro de notre collaborateur, Hans Jean-Louis. L'initiative d'aujourd'hui, qui consiste à doter les lycées du département du sud, de manuels permettant à leurs directeurs respectifs de renforcer les bibliothèques des différents établissements
Le ministère, depuis plusieurs années, s'est engagé à réformer le système. Le nouveau secondaire en phase d'expérimentation s'est généralisé dans toutes les écoles du pays. Les lycées ont besoin de nouveaux outils pédagogiques pour s'engager avec efficacité dans l'implantation du nouveau secondaire. Le ministère vient inclus du dossier a pris l'initiative de doter les lycées de tous les départements du pays d'un embryon de bibliothèque. Le ministre, bien imbu du dossier, s'est déplacé en personne pour vous soumettre ces nouveaux outils. À mon humble avis, c'est la preuve de sa détermination à vous accompagner sur les fonds bâtissants. Autre information, sous l'initiative de l'organisation politique Force Opposition CID, les membres de l'opposition ont manifesté ce lundi 18 septembre dans les rues de la ville des Cayes. Des protestataires munis de broches d'arbres ont lancé des propos hostiles contre le président de la République Jovenel Moïse et son administration. Les manifestants ont érigé des barricades enflammées sur le boulevard des Quatre Chemins pour exiger du chef de l'État le retrait du budget prévu pour le prochain exercice fiscal 2017-2018. Suivez un extrait au micro de notre collaborateur Hans Jean-Louis. La grève lancée lundi par des syndicats de chauffeurs et appuyée par l'opposition pour exprimer leur désaccord face à la publication de la loi de finances 2017-2018 est largement respectée dans la ville des Cayes et dans plusieurs autres villes de province. La circulation automobiles a été nettement paralysée. Le responsable sud de la PCH, Bertrand Jean Banat, lors d'une interview accordée à la télé-hirondelle, estime que le gouvernement devrait prendre au sérieux les revendications de la population. Suivez. Première impression, c'est que je félicite la population qui prend décision de prendre à cœur pour que grève ça vraiment nous respecter dans le sud. Et n'a dit que a bien l'autre continuité parce que faut nous une réponse à travers décision l'État prend contre nous-mêmes pour que nous-mêmes nous c'est nous-mêmes qui gagnons au lieu c'est l'État qui gagne. Qui ça nous capable dire grève la respecter ou pas respecter à 97% parce que des monde pour connait bon ici bon rachetement et en pile monde pas attendre mot d'ordre de débat, mais à 97% tout le monde dans le sud prend une décision nous prend à cœur pour que grève ça atterri ici dans le sud j'en étais suite là. Est-ce que là nous satisfait? Non, nous satisfait 100% parce que nous pas attendre à travers de toute population qui devrait prendre décision nous à cœur pour nous faire grève ça ici. L'autre et mot d'ordre qui s'est appuyé si toutefois le gouvernement va attendre. Nous souhaitons que ça son leçon pour que le gouvernement prenne. Et leçon ça nous balaya, c'est pour que les retourner sur décision. Et je dis à nous pas qu'à courir dit annonçons l'autre alternative parce que nous croyons que leçon ça le prend que nous voulons la retourner sur décision. Lors d'une interview accordée aux journalistes, l'ex-candidat malheureux aux dernières élections municipales, Robert-Pierre Richard, a fait savoir que les dirigeants de ces manifestations ont reçu de l'argent pour déstabiliser le gouvernement Moïse Lafontaine. Sans citer de nom, il demande à la population de rester très vigilant. Suivez la déclaration de Robert-Pierre Richard au micro de notre collaborateur Amos Sénat. Le jour dimanche, avant manifestation, gain organisateur manifestation qui allait du côté de la route nationale numéro 2 sur route Cavaillon côté yotal rencontré un patrol avec un zoréquin plaquité côté que gain gros matonton l'argent qui bail
pour venir manipuler, utiliser ti malheureux ak malheureuse moi yo militant politiquement yo l'envie locale sous prétexte une revendication qui juste tandis que ces affaires job ak affaires poche k'ap régler n'ap di tout malheureux ak malheureuse moi yo qui te prend gaz qui te prend coup de bâton qui te prend coup de roche si toutefois manifestation a fait sans l'argent sans force côté sans main invisible, nous tous, nous prenons aller, nous prenons prendre la ria. Mais si ces gens qu'on bah là et là, côté que initiateur mouvement, après le prendre l'argent dans le cafou, après le prendre l'argent dans la route, dans une enveloppe jaune, l'homme force invisible que nous pas connaît, que nous dit là nous-mêmes, faut que bah chaque malheureux malheureusement 10 000 gouttes pour pipiti, puis le déposer sous canal l'école petit qui bloquait la direction depuis l'année passée. Parce que si non, nous allons nous garder nous, si gars, si jo, ça fait changer, mais nous-mêmes, malheureusement, nous avons prêté là, la saleté, nous avons prêté là, nous avons condamné la misère. L'un des organisateurs de la manifestation du 18 septembre, Josué Barthélemy, a rejeté d'un revers de main les déclarations de Pierre Richard Robert, qu'il qualifie d'erreurs politiques et de rumeurs. Josué Barthélemy a fait savoir que ces déclarations visent à casser le mouvement. Suivez la déclaration de Josué Barthélemy au micro de notre collaborateur Hans Jean-Louis. Moi-même, en tant qu'organisateur de manifestation, au BD Richard fait un grave erreur. Parce que ou pas capable de dire l'argent baille quand il y a une rumeur. Il y a une rumeur qui a parcouru, il y a des gens qui gagnent des copes de mieux pour manifestation. Mais moi-même, en tant qu'organisateur de la marche pacifique, je ne suis pas là-dedans moi-même. Je ne suis pas connu comme ça. Il y a des rumeurs. Si OBP Richard est capable de dire qu'il y a une machine patrouille avec une machine zoéquée, tu as rencontré les gens sur la zone Cavaillon, il n'y a pas de matricule là. Et ce c'est vrai, il veut détruire la bataille peuple là. Et ce il veut détruire. Au bébé Richard, il n'y a pas de matricule machine. Au bébé Richard dit que chaque monde, au moins dans la manifestation, est capable de gagner 10 000 gouttes. Alors là, pour tout le monde qui est dans la rue, chaque cas de gagner 10 gouttes, il y a 10 000 gouttes dans la main, excusez-moi. Il y a 10 000 gouttes dans la main, pour aller à l'école pour petit. Il faut me dire ça. Au bébé Richard, il est méchant. Au bébé Richard, il est méchant. Si c'est faux, il faut le faire pour le cas d'une parole comme ça, il est méchant. Parce que il faut me dire ça sincèrement. Le même gouvernement TLM pour me demander pour me chita pour parler avec eux pour que manifestation jour lundi à pas quand me dire non faut que peuple la prend la rue faut que peuple la exprimer dans la rue. La manifestation du 18 septembre n'a pas été sans conséquences pour les organisateurs. Quelques heures après la manifestation, Josué Barthélemy, un des employés du secteur de transport, a reçu une lettre de mise en disponibilité. Il qualifie cette décision d'arbitraire. Suivez ses propos au micro des journalistes. Faut me dire de ça, après manifestation, je l'ai dit que je suis là, et il y a une lettre qui date le 19 septembre, côté, et dans le service d'unité, qui est mon responsable, il y a une lettre ça qui est arrivée juin moins. Parce que je ne suis pas doué accompagner la population dans la rue. Qui ça, l'autre ça vient comme contenu? Eh bien, c'est là, il n'y a pas de blâme pour tout un série de bagailles. Sans blâme, sans rien, c'est l'être en mise en disponibilité. Vous connaissez en Haïti, l'homme mise en disponibilité, c'est révoqué. Cela veut dire que c'est comme ça, gens que nous, on l'a même là, c'est lui-même qui est arrivé jouer le moins, ils ont prêts, je dis. Le pasteur Louis Hériu Saint-Germain, réagissant sur la publication de la loi de finances 2017-2018, demande à la population d'accorder un délai de 3 mois d'observation au gouvernement avant tout mouvement de protestation. Toutefois, il reconnaît que le budget contient des articles qui font peur à la population. Suivez des déclarations du pasteur Louis Hériu Saint-Germain au micro de notre collaborateur Amos Sénat. Situation qui est typiquement haïtienne. Ça veut dire que c'est ou pas venir de l'autre côté. Regardez bien pourquoi un budget pas ta doué rentrer dans la politique, un budget son bar qui pourrait servir
yon population ki pral servi yon état, l'état doit normalement significatif pour tout moun wè budget rentre en côté, li sorti en côté, li pa doit politiser. Mais malheureusement dans le pays d'Haïti, c'est un côté qu'on voit tout bagarre à l'envers, yo rentre dans politique avec budget. Budget nous capable de le nous garder li en profondeur qui publié qui que président te bail depuis avant là pour publier qui sorti hier. Même gardou gagner des points là-dedans qui fait que monde cassé. Mais gagner tout grand pile point important là-dedans, c'est n'a parlé de dignité peuple haïtien et c'est n'a parlé tout de type de gouvernement que nous gain là ensemble avec monsieur Lafontaine et Jovenel. Nous capable dire que nous sommes capables de bailler une chance pour budget exécuté pour permettre que si budget ça, si nous gardons nous budget après 3 mois, nous monsieur, c'est vieux bagaille à fait, peuple a gagné droit à passer à soulèvement, peuple a gagné droit à passer à revendication. La police nationale a interpellé jeudi au centre-ville des Cayes une dizaine de personnes qui ont tenté de manifester contre la publication de la loi de finances 2017-2018. Ces personnes interpellées ont été rapidement relâchées. Parmi ces personnes, il y avait Jean-Gardy Forge, l'un des initiateurs du mouvement. Écoutez ces déclarations au micro des journalistes. Les policiers interpellent sans aucun motif, je ne vais pas faire de manifestation aujourd'hui. Je dis la police fait des manifestations vendredi. Je vais faire un radio avec un full monde. Et puis, je vais une équipe de moi. Est-ce que vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui? Je monte machine. Les gens qui montent machine, ils ont mis après, ils ont conduit commissariat. Moi-même, j'ai parlé au directeur départemental ce matin. Je dis que je pas de manifestation aujourd'hui. C'est vendredi que j'ai manifestation. Je vais parler avec le directeur départemental. Là, vous mettez le chita. Après, monsieur dit bon, je garantis que manifestation. Manifestation va faire jodia et puis me dit que pas une manifestation va faire jodia et puis nèg yo relâché mon yo pas capable. Non, nèg yo pas tiré mon seulement l'aime de la machine dans bon radio bakaya. De gon rythme comme pas arrivé identifier. Monsieur empêché me parler, monsieur poussé monsieur le marquer. Mais après ça, nèg yo conduit PNH conduit en griot rentré dans commissariat avec toute modestio. Nèg yo conduit moi rentré et puis me parler avec gentiment avec directeur départemental de la police et puis moi sorti. Les associations des délégués de ville, AZEC et KAZEC de Maniche, lors d'une conférence de presse réalisée au début de cette semaine, dénoncent l'exclusion des autorités des collectivités territoriales dans le cadre de la caravane de changement initiée par le président Jovenel Moïse. Nous juste parler de collectivités. Yo néglige collectivité. Raison, à constater dans 4 cas avant nous yo ti ki di Maniche, monsieur qui fait caravane de Maniche. Yo néglige collectivité. Kazek, Aïsla, Azek et les gens de ville. Et son cas comprendre que le travail à faire, on va essayer de pas connaître l'objectif de travail à pas connaître et tout. Ou même qui délégué de ville, pas connaître Kazek, pas connaître Azek, pas connaître. Le ministre dans le rôle la voye moun qui est équipe sénateur voye moun qui est équipe député voye moun qui est équipe ça veut dire de ça la parler de collectivité jusqu'à présent collectivité il pas sorti même moun là pour passer dans ça au Québec collectivité la gauche tout ça qui pour faire c'est eux-mêmes ça veut dire quoi collectivité c'est pas important pour nous ça nous ça pas yo pas rentrer nous nous ça des moun qui a craché barré nous. Choisi pour la télévision, je vous dis à vous parler de tout problème dans la communauté de la commune Maniche. Pendant que le caravane arrive à Maniche, les gens ont parlé de toute entité qui vient dans le caravane. Pour faire route, pour l'eau, pour le départ, mais cette santé publique. Imaginez une communauté qui a 3 sections là-dedans. Même un bon dispo sont pas cachés là-dedans. Voilà ce qui m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs, le rappel des titres dans un instant. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé le 12 septembre l'opération baptisée Livre pour tous dans les lycées. Le département du Sud est la 4e région
touchés par cette initiative. Sous l'initiative de l'organisation politique Force Opposition CID, les membres de l'opposition ont manifesté ce lundi 18 septembre dans les rues de la ville des Cailles. Les protestataires munis de broches d'armes ont lancé des propos hostiles contre le président de la République et son administration. La grève lancée lundi dernier par des syndicats de chauffeurs et appuyée par l'opposition pour exprimer leur désaccord à la publication de la loi de finances 2017-2018 est largement respectée dans la ville de Cailles et plusieurs autres villes de province. Lors d'une interview accordée aux journalistes, l'ex-candidat malheureux aux dernières élections municipales, Robert-Pierre Richard, a fait savoir que les dirigeants de ces manifestations ont reçu de l'argent pour déstabiliser le gouvernement Moïse Lafontaine. Le pasteur Louis Hérius Saint-Germain, réagissant sur la publication de la loi de finances 2017-2018, demande à la population d'accorder un délai de 3 mois d'observation au gouvernement avant tout mouvement de protestation. Merci à vous qui avez suivi ce journal. Pour vous le présenter, Whitlaine Rosilmé au micro avec la collaboration de Hans Jean-Louis. Merci, bon week-end et bonne semaine à tous.